poursuivre, vrai. Absolument. Oui, je pense. Avec les coups de cœur, puisque pour les Élois d'Or, c'est fait. Mais nous avons quelques coups de cœur de musique urbaine que nous allons développer ce soir avec un artiste exceptionnel. Et pour remettre son prix, je vais appeler M. Jousnamir, le président de la commission développement économique au sein de la région Guadeloupe, qui va venir nous rejoindre avec les applaudissements, s'il vous plaît. Et l'artiste que nous allons recevoir est un artiste qui fait jouer de la plume, du verbe, qui est dans une dynamique à cheval entre le hip-hop, le dancehall, le reggae dancehall et le slam. Vous voyez, c'est ce mélange de choses. Il a écrit la lettre, il a écrit de belles choses, il a été l'une des révélations de ces dernières années. Et là, ce soir, il est avec nous, on va le découvrir en images. Tu crois qu'il est là ? Oui, bien sûr. C'est Monsieur Sadik, je crois. Exactement, mesdames et messieurs, Monsieur Sadik. Monsieur Sadik. En image. Originaire de la commune de Sainte-Anne, Monsieur Sadik, de son vrai nom Michael Maragnès, est un artiste guadeloupéen né le 23 décembre 1983 aux Abîmes. Ce jeune artiste dancehall a fait ses preuves dans le milieu underground dès 2005 à travers des titres très novateurs caractérisés par une écriture profonde et consciente. La diversité des thèmes traités et des genres musicaux visités font de lui un artiste polyvalent allant de représentations en soirée et passant de hit underground en mixtape. Il a su se créer une réelle notoriété et gagner ainsi le soutien de toute une génération. Fin 2009, il autoproduit son premier album et son premier single, On sait le coup, touchera en plein cœur toutes les tranches de la population grâce à un message fort qui le hissera au sommet de tous les hit-parades. En 2010, pour son premier concert parisien, il s'est produit à guichet fermé à la Seine-Bastille devant un public conquis venu chercher un peu de chaleur. Il connaîtra un immense succès à l'occasion de son premier grand rendez-vous avec le public guadeloupéen devant près de 6000 personnes en première partie de Diams au stade de Bemao. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des ambassadeurs de la jeunesse guadeloupéenne et antillaise. Actuellement, l'artiste travaille avec le Centre culturel de Sainte-Anne afin de redynamiser la ville et offrir plus de possibilités d'activité à la jeunesse sainte-annaise. Parallèlement, il prépare aussi son nouvel opus. Mesdames et messieurs, Monsieur Sadik ! Voilà, pour vos applaudissements. Bien. I shot the sheriff. Monsieur Sadik, s'il vous plaît, ce soir. Et Monsieur Mir, président de la commission développement économique au sein de la région. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom de la présidente de région, au nom des élus régionaux, au nom de toute la salle ici présente et de la Guadeloupe, te remettre ce grand partenariat et ce programme de fête de la musique de Porto Rico où tu auras à représenter ta Guadeloupe. Je voudrais dire ici, et vous pouvez l'applaudir, c'est un partenaire presque officiel de la région Guadeloupe. Quand il y a manifestation pour les jeunes, Monsieur Sadik vient porter sa contribution, vient nous aider à dire aux jeunes, voilà ce que je suis devenu, faites comme moi. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que je suis particulièrement touché de recevoir ce prix des mains de M. Mir. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de parrainer de nombreuses manifestations organisées par la région en faveur des jeunes guadeloupéens. Je suis très content. Aujourd'hui, on a l'impression en tant que jeune artiste, en tout cas j'ai l'impression en tant que jeune artiste, que je ne fais pas de la musique vainement, que la région Guadeloupe a le regard sur la musique qu'on peut faire. Donc c'est vraiment une fierté, et encore plus fier de partir représenter les jeunes guadeloupéens, la musique guadeloupéenne, la musique jeune, la musique urbaine, un festival à Porto Rico. Donc voilà, encore une fois, merci. Je ne ferai pas de nominatif. Je remercie ma famille, mes amis, ceux qui me soutiennent depuis le début, ceux qui écoutent mes chansons. Voilà, merci à vous, merci au public qui me suit effectivement depuis un petit moment déjà. Merci. Voilà. Voilà. Pour les photos, aux côtés de l'hôtesse. Alors, Monsieur Sadik, j'espère que vous parlez espagnol. Un poquito. Bon, c'est vrai que Porto Rico risque de devenir ces prochaines années un nouvel État américain, puisqu'ils ont fait la demande officiellement à travers ce référendum. Mais n'oublie pas ce que j'ai dit au début, hein, oui, que Dieu créa la musique comme un langage commun à tous les hommes. Universel. Donc il n'y a pas besoin
parler espagnol. Non, ça, c'est pas pour le concert. Voilà. Ça, c'est pas pour le concert. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'était pas pour le concert, là, c'est espagnol. Non, non. Ne pouvez pas me tirer, me toucher les hanches. Bon, d'accord, ok. Bon, Missé Sadiku, Jassab K. Ben, comme chacun des artistes qui sont passés ce soir, une petite chanson. Bien sûr. Moi, j'ai dit alors, Jassab parce que je connais les chansons. Voilà, ben, je vais présenter la chanson, effectivement. C'est une chanson qui parle de la condition des Haïtiens en Guadeloupe. Alors, effectivement, notre musique, musique urbaine, c'est une musique où on dit les choses un petit peu de manière très directe. J'aurais aimé que ceux qui ne connaissent pas la chanson écoutent le texte et apprécient. À vous, messieurs. Oh, ah, yeah, yeah. Nèg j'avoue misère. Faut pas neguer nèg, dis ni conflit entre yos et en seule famille, nous en vie. Nous en vie, on nous a parlé, t'es yo en mal, mais haïtien aussi c'est nègre. Ni haïtien qui bombe, haïtien qui s'élève. Gazon, c'est pas si aussi ni l'envie de vivre. Yo cap en risque ou vide, pas si aussi yo ni des rêves. Nous a parlé, t'es yo en mal, mais haïtien aussi c'est nègre. Ni haïtien qui bombe, haïtien qui s'élève. Gazon, c'est pas si aussi ni l'envie de vivre. Yo cap en risque ou vide, pas si aussi. Souvent nous ni l'impression que yo ka envahi nous, que yo en pays en nous, et que yo regaille nous, yo ka parler, parti couple soi, à la Toussaint, yo ka fait faux, yo doit être parti pour les mal. Mais les nous kaye danser, nous ka danser combat. Qu'ils y veulent la tête pas bon pas, mais ils combattent. Sans facile, fait yo travail, sans bail de contrat. Yo qui fait jardin pas, mais pas kaye ni contact. Comme ta, souvent nous ka parler, de yo en mal, mais haïtien aussi c'est nègre. Ni haïtien qui bombe, haïtien qui s'élève, car son suit pas aussi ni l'envie de vivre. Yo cap en risque ou vide, passé aussi, yo ni des rêves, yo pas parler, d'ailleurs en mal, haïtien aussi c'est nègre, ni haïtien qui pompe, haïtien qui s'élève, la foncée, passé aussi ni l'envie de vivre, yo cap en risque ou vide, tout bas. Yo te dis yo, que la vie Guadeloupe meilleure. Si yo ve marron la guerre civile qu'a fait au pays, que c'est meilleure destination caribéenne, ouais. Mais les conseillers pas les payés, mais y'a les yo installés. De Saint-François Gisdeye, yo ka gêné y'a leur peuple la bise et mettre yo des wow. Yo ka rete ensemble pour yo pas faire pisser, pas si vrai. Tu vois, nous pas parler de yo en mal, haïtien aussi c'est nègre. Ni haïtien qui bombe, haïtien qui s'élève. Son suit pas aussi ni l'envie de vivre, yo ka pas risque ou vine. Pas aussi, yo ni des rêves, pas parler de yo en mal, haïtien aussi c'est nègre. Ni haïtien qui bombe, haïtien qui s'élève. Son suit pas aussi ni l'envie de vivre, yo ka pas risque ou vine. One drop. Depuis où monter Paris, yo ka traité ou qu'on immigré. Qui ou Sénèque, Afrique, Antillais ou qui ou sorti Guinée. Moun ka gade ou en la rue, qu'on se sent déséquilibré. Pas ou nègre ou incriminé. Yeah, yeah, yeah. Nègre ya boue misère. Faut pas nègre et nègre. Si ni conflit entre yo, c'est yon seul comme nous en vie. Nous en vie, ouais. Nous pas parler de yo en mal. Haïtien aussi c'est nègre, ni haïtien qui pomme, haïtien qui s'élève. La foncée passe aussi ni l'envie de vivre, yo cap en risque ou vide. Passe aussi, yo ni des rêves, on va parler de yo en mal. Haïtien aussi c'est nègre, ni haïtien qui pomme, haïtien qui s'élève. La foncée passe aussi ni l'envie de vivre, yo cap en risque ou vide. Passe aussi, yo ni des rêves. Tout le monde là, tout le monde là. Passe aussi, yo ni des rêves. Tout ça qui savent qu'il y a haïtien aussi des rêves pour nous. Passe aussi, yo ni des rêves. Passe aussi, yo ni des rêves. Passe aussi, yo ni des rêves. Nèg j'avoue misère. Faut pas nèg et nèg. Si ni conflit entre yo, c'est en seule famille, nous en vie. Nous en vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à ceux qui ont compris le message. Et encore merci pour ce beau prix. À bientôt. Merci. Merci à Missé Sadiku, s'il vous plaît. Tonnerre d'applaudissements, quand même. Progression, ascension très rapide hein, pour ce jeune Saint-Anais. C'est un plaisir que de l'avoir avec nous ici ce soir. Et c'est M. Cotelon qui doit être encore plus heureux puisque lui qui promouvoit hein, toute la culture saint-anaise musicale est bien servi ce soir.
Il saura de quoi je parle tout à l'heure. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Nous allons remettre un autre coup de cœur, un autre genre musical qui fait une sorte de synthèse un petit peu entre les musiques traditionnelles, les musiques urbaines. Il y a des artistes hein, qui se reconnaissent sous ce label, Dominique Coco notamment, Lydia Barline, qu'on a eu l'occasion d'apprécier il y a de cela quelques instants, et d'autres encore qu'on pourrait citer, mais qui ce soir eh bien, seront abstenus hein, de tout propos, puisque notre artiste lui-même se la joue bien, n'est-ce pas? On va le recevoir dans quelques instants, mais pour le récompenser, je vais appeler notre remettant, Madame Gustave Di Duflo, de la région Guadeloupe, s'il vous plaît, avec les applaudissements. Et puis, nous allons donc découvrir dans un court moment eh bien, cet artiste qui va venir nous rejoindre. Nous allons laisser cette vidéo se montrer, tout simplement, pour cet artiste aux multiples facettes, accompagné de son acolyte, parce qu'ils sont deux ce soir. Mesdames et messieurs, messieurs Exos et Doopsis, s'il vous plaît, en images. Alors les cultures urbaines, c'est un peu, c'est quelque chose de très vivace en Guadeloupe et de beaucoup, c'est un petit peu comme un iceberg. Les artistes qui sortent, c'est ceux qu'on voit, mais ils ont beaucoup de mérite de sortir et ils sont très forts parce que derrière, il y a des centaines de jeunes qui font des sons chez eux, qui échangent les fichiers sur YouTube, etc. Et c'est, moi, je connais énormément de jeunes qui font des petits sons dans leur coin et qui échangent des choses. Il y a aussi beaucoup de danseurs, il y a beaucoup de graffeurs. En fait, c'est ce qu'on appelle la culture underground. Et notre boulot, c'est vraiment de faire ressortir ça et que les talents les meilleurs puissent s'exprimer et se faire connaître surtout. Parce qu'il faut savoir que ce ne sont pas des gens qu'on connaît, que le grand public connaît et qu'on invite souvent dans des manifestations. C'est d'ailleurs un des objectifs de Hip Hop Session, c'est de faire sortir ces jeunes. Mais il est clair que si vous commencez à vous intéresser en Guadeloupe au rap, au slam, au dancehall, au graff, et à la danse hip-hop, c'est leur façon de s'exprimer maintenant. Et vous verrez que ce n'est pas simplement... Ça dépasse aussi l'art, c'est aussi la façon de s'habiller, la façon de s'exprimer. Enfin, il y a plein de choses qui dépassent. Maintenant, le problème, enfin, ce que je note aussi en Guadeloupe, c'est qu'il y a quand même un hip-hop caribéen, c'est-à-dire que ce soit par l'usage du créole, des textes, par exemple, il y a beaucoup de danseurs qui essaient de faire des alliances avec le tambour, le groka. J'ai vu beaucoup de danseurs hip-hop qui dansent sur du groka. Et c'est vraiment intéressant. En fait, il y a une particularité ici, et ils essayent de... Ils n'oublient jamais leurs origines, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas un hip-hop américain. C'est pas une, et chacun, et même les graves, vous allez voir, il y a toujours une touche, une ligne caribéenne, une ligne guadeloupéenne. Et ça, je pense que c'est quelque chose à creuser, c'est très intéressant. Je dirais que, pour finir, qu'il y a une grande créativité. Exos et Doopsis. Avec les applaudissements du public, s'il vous plaît. Et madame... Exos et Doopsis et Madame Gustave Di Duflo de la région Guadeloupe pour remettre ce prix coup de cœur, une programmation à la fête de la musique de Porto Rico. Si, senor. Ah ben, Sadik sera accompagné de vous. Hein? Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour ce prix. Mon camarade Doopsis m'accompagnera si on va à Porto Rico, bien sûr, parce qu'on n'y est pas encore. Mais je remercie beaucoup, beaucoup la région pour avoir eu l'idée de faire cette remise de prix parce qu'on n'est plus trop jeune, même si on représente les jeunes. Et ça fait longtemps qu'on fait ça. Donc, tout coup de pouce est utile et nécessaire. Et moi, en fait, qu'on a du mal à présenter, je représente le hip-hop, je représente le dancehall. Je suis surtout compositeur. Donc, je n'ai pas de chansons que je chante habituellement devant le public. Mais en fait, ça fait longtemps que je fais ça. Donc, ben, merci à vous. Merci à ma maman qui m'a donné le goût dans la musique, qui m'a mis derrière un piano, qui m'a fait écouter Brel, du classique, du jazz. Merci à mon papa qui est le premier DJ que j'ai vu de ma vie, qui est allé à Radio Arago avec ses disques. Et merci à la famille qui m'a toujours donné de l'amour, les tatis, les tontons, les cousins, à la famille de la vie, c'est-à-dire ben, le Karaoke Racro, qui est mon groupe de hip-hop de base,
La Horde Noire, Dali, Stargi, Tismé. Il faut que je cite leurs noms parce qu'ils auraient dû être là. Okay? Donc il faut que je cite leurs noms. Dali, Tismé, Kibi qui est là avec moi. Et puis l'homme d'Oupsis, bien sûr, que je n'oublie pas, TX. J'en passe. Donc merci pour eux, pour tous ces gens qui font du rap, qu'on a toujours pris des extraterrestres. Merci pour nous. Non, simplement des génies. Non, pas forcément. Non. Tout le monde est un génie en soi. Ma maman a sa cuisine, mon papa derrière son marteau. C'est bien. Génie est en nous. C'est juste que des fois, on ne le voit pas, on doute. Et de savoir que les aînés nous encouragent, ça fait pousser des ailes. Voilà. C'est tout ce qu'on a besoin, en fait. Merci à vous. Alors, nous avons fait déplacer le Caco Labo. Alors, madame Gustave Niduflo, ben oui, quand même, je vous en prie. Il avait déjà oublié le prix, notre ami ici. Attends, la photo avec... La photo, bien sûr. C'est important. Nous ne sommes pas... Il n'y a pas d'alerte particulière. Ben oui, il était déjà aux platines. Hello. C'est normal. Le Caco Labo que l'on a déplacé pour vous, mesdames et messieurs, c'est un élément indispensable à la création artistique entre platine, entre console, logiciel, boîte à rythme, synthétiseur, oui, des boutons, beaucoup de boutons et encore des boutons, rien que des boutons. Voilà. Ben... Des boutons de... Une fois que j'ai le micro, allez-y, je vous en prie. Subtilisé, Il ne le lâchait plus. Alors, au nom de la région Guadeloupe et au nom de notre chère présidente, eh bien, nous vous félicitons pour ce prix et nous vous disons que nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce que vous faites. Voilà. La preuve en est faite avec ce prix. Il faudra nous ramener plein de photos. Hein. Alors, bon, on a parlé. Je pense qu'il est temps peut-être de placer... Une petite démonstration. Bien sûr, passer à l'application de ce que représente le Caco Labo, qui, on le rappelle, est la synthèse de ces musiques urbaines et de ces musiques traditionnelles. On vous laisse la place. Justement, mon camarade va vous faire un petit medley des compositions d'Exos. Et ensuite, je vais chanter une chanson pour vous. On va voir si vous connaissez, si vous écoutez vos jeunes depuis 15 ans. Café ? Qui connaît cette voix? Yeah. Alors, ça vous parle plus? Mouvement la fouette. Yeah. Là, c'est mes débuts. Les tout débuts. Officiellement. Grâce à Monsieur Rico Debs, que je remercie. Bah, un petit refrain. Ils sont dubitatifs. Mouvement là. Deux bouches qui chantent. Yes. Ça c'est mon premier bébé d'album en 2002. Il s'appelle Wash. Boumé à Vienneg. Parce qu'on serait pas là sans le Vienneg que tu méprisais hier. On serait pas là en train de faire ça. Yep. Donne-leur celui qui connaissent le plus.
ou deuxième première ébauche. Ouais. Ça vous parle? Bof. Yeah, yeah, yeah. Tout le monde, je dis, mais ça, ça veut dire. Ça qui prie, prie, ça qui qu'on aime, dit. Rien qui dit, rien qui dit, rien qui dit. Tout le monde, je dis, mais ça, ça veut dire. Big Force, balle, balle. C'est Lyon qui veut tester beaucoup. Rien qui dit, rien qui dit. Hey yo. Ça, c'est partenaire de hip hop. Depuis le lycée Benbridge. La pointe de là où on vient. Oui. C'est là. J'ai l'impression que vous entendez. J'étais sous et j'entendais bien quand j'étais assis là. C'est un brief panel de mes compositions. Continue encore, il y en a encore quelques-unes. Yeah, yeah, yeah. Mr. DJ. Ok. Y a des mondes de l'arrivée. Ma pète ou arrête de ciser. Vous pouvez amuser, si moi faut miser. Si cabal, y on y est. Mr. Dali. Dali. À l'époque, ma maman nous laissait faire de la musique dans ma chambre. Donc, ils venaient à la fenêtre, je leur donnais un micro et moi, je composais les instrumentaux sur mon bureau. Et par la fenêtre dans le jardin, Dali, Darkman, Starji, Tismé, on faisait notre beat de hip-hop ensemble comme ça. Ok. Ça, c'est une compilation. Je sais pas si vous connaissez l'homme qui chante. Nous souhaitons. Nous souhaitons. L'homme qu'on appelle Rupla surpasse du Rome Redim, n'est-ce pas? Encore une autre collaboration. Chris Dele Maika, ouais. Ok. Ça vous parle un peu? C'est instrumental? Nous pas prend force. Quand on y dit que la cabre en force. C'est pas. Quand on cabre en force. On y garde exhaustif. J'en prends force. Le gars pour l'abdo. J'ai mis aussi où manger prend force. Quoi en cacola tout de suite? Si j'apprends force. Quand j'ai dit même j'attire une bonne force. Qu'est-ce qu'on en joue encore? Un petit dernier. Un petit dernier. Fresh. Tout ça, c'est les 10 ans qui viennent de passer pour moi. Les 10 ans qui viennent de passer où le hip-hop m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Exos Maître Kakola. Merci Azot. Parce que nous sommes diversité, nous sommes fusion. Et le hip-hop, qui est un art du recyclage des anciens, m'a amené à Kako Music, c'est-à-dire la fusion de tout ce qui est électronique, tout ce qui est moderne, tout ce qui est contemporain avec nos traditions. Elles peuvent aller du Bel Air en Martinique avec M. Jeff Bayard jusqu'à la Guadeloupe. Avec moi, mais d'autres artistes qui sont aussi caco. Alors, Bougamouin, Mr. Dupsis, on a fait un petit medley pour eux. On ne nous a pas donné timing, donc on s'étale, OK? Ça, c'est le morceau où on va chanter notre devenir. Donc,
En décompte en cabar. Yon. De. Yon. De. Toi, nous qu'a joué kako. Joué kako. Ouais, ma. Joué kako. Ouais, ya, ya. Joué kako. Wo yo yo. Joué kako. Nous qu'a joué kako. Joué kako. Nous qu'a mangé kako. Joué kako. Nous qu'a boué kako. Joué kako. Parce nous qu'a vive kako. Joué kako. Ouais, ya, ya. Joué kako. Du wo yo yo. Joué kako. Canada kako. Joué kako. Et puis Koza kako. Joué kako. Zala kako, et puis Kassav Kesha kako, Exos kako, et puis Dubi kako, l'homme qui bie kako. Yeah man, ok. Attendez, hop. Un petit extrait de ce que je fais à Sainte-Anne, à Bois-Galba. Un peu de retour s'il vous plaît. C'est nous qui kako, kako la en mettre, mettre Dubi la en mettre, mettre en retour, pour mettre en kako, on dit wa ya ya, je sais mes kako, merci en l'eau, merci en l'eau, merci en l'eau. Exos et Dubsis, qu'on vous demande d'applaudissements s'il vous plaît. Merci Azot. Dubsis. Le Caco Labo. Merci pour ce prix. Le Caco Labo. Écoute, eh bien, ça me donne envie de prendre une tasse de chocolat. Ah bon? Caco doux, le gros caco de, tu sais, de grand-mère. Hein. Ben voyons. Ça vous dit, là? Ben, c'est à 4h du matin, ça, normalement. Hein? Mais ce serait bien, voilà. En tout cas, bravo pour eux. Bon, c'est de la musique. Urbaine. Pour les styles urbains, voilà, c'est un ça. Un mélange subtil. Voilà. Entre tradition et modernité. Opérer avec succès dans cette dynamique proposée. En tout proposée. Cas, je me demande, j'ai vu avec quelle dextérité Dubsis maniait les appareils. Oui, comme nos techniciens je qui permettent d'installer dans les... Je me dis, tu te rappelles quand on était les... jeune, oui. Et que maman nous disait, faut nettoyer les lentilles ou les haricots rouges. C'est dans on n'aimait pas faire ça. Mais on mettait du temps. Mais là, je me demande si on donnait à Dubsis à nettoyer un kilo, il pourrait faire un battre record. Vous vous rappelez de cette période? Il y avait des petites roches, il y avait des petits... Voilà. Oh là là, quelle barbe! Mais par contre, le goût, c'était autre chose. Hein. Bien, alors on va poursuivre. On va poursuivre avec un nouveau prix que nous allons remettre. Et cette fois-ci, un artiste qui s'exerce avec adresse oui. dans une dynamique de slam. D'être oui. sur scène avec lui. Il a une poésie. Oui. Il a un parler qui est très, comment dirais-je, riche. Riche et acéré. Voilà, acéré, mais d'authenticité, qui parle d'actualité, de bien thématiques sûr. Qui nous concernent, mm-hmm. et non, que j'apprécie beaucoup. Il a d'ailleurs été pendant plusieurs années un champion de la Guadeloupe de slam. Oui. Parce qu'on parle de slam hein, ce soir. Oui. Ah oui, mais il y a de tout ce soir. Absolument. Hein, et c'est très bien. Donc, je disais que ce garçon, oui. il a l'air très réservé. Alors. Mais je dirais, il disait tout à l'heure que nous sommes tous des génies, on a un mm-hmm. accord. Mais lui, très discret. Et quand il ouvre la bouche, ah il se transforme, il se transcende. Et c'est là que commence le silence. Je vais demander à monsieur le maire de la commune de Saint-Claude et membre du conseil général, monsieur Elie Califère, de nous rejoindre, s'il vous plaît, pour remettre le prix à notre artiste qui va être donc récompensé dans un nouveau prix coup de cœur. Et que l'on va découvrir en image dans quelques secondes. Cet artiste, vous l'aurez compris, il s'agit ce soir de monsieur
Iman. On dit Ayman. 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 Tout à fait. Voilà. Mesdames et messieurs, Ayman ce soir, en image. Monsieur Elie Califère, s'il vous plaît. L'amour, la paix. Vive chaque jour, j'en y ai. Save, aïen pas jamais fini. Toujours ni moyen trapper plus, n'importe qui tombe, pète tout. Plonger, en disant, nourrir silence pour l'esprit véatif, mais n'est pas aller devant. Qu'à qui moi, à qui yo, qui j'en nous qu'a fait nous, qui manier, y en est, nom et nom. Vencer, à dans vérité et sincérité, l'amour et puis la paix. Objectif, aujourd'hui, joindre des mains. Obsession d'avoir y est déjà trop tard. Connaître côté ou en vieille. L'univers, j'ai bien en place. Apprendre côté mettre là. Bas au sens. Chiméan, c'est taille. Pitié à pitié. Grandi. Avec cadence, sa balance à l'existence. En science. Pour, jodi, pas jamais somme des mains. Pour l'histoire, toujours trouver sans aïe. En quête, pour des mains. Puis ça dormi, si aïe. Grand ouvert. Aïmon. Transmettre ça la nati kabao. Ça ou envie sav. Yo di c'est musique la rue. Yo di c'est slam. C'est dit tout ça ou nyan ke aï. D'avoir artiste, c'est un canal entre ça ou pas vrai. Et ça qui doit être fait. Alors, bien merci. Et c'est M. Brard du Conseil Régional qui remettra le prix à notre artiste invité. Mesdames et messieurs, Ayman, s'il vous plaît. Ayman. Bien, bien bonsoir tout le monde. Bien bonsoir tout le monde. Ah. Va te qu'attendre autres. Eh bien, éducation à maman, apprendre que à dans des cas comme ça, faut dire merci, alors bien merci. Papa validé aussi, alors bien merci. Merci pour grand-mère à l'univers. Qui chaque jour, même si vous passez à vous là, vous avez fait comprendre que vous peut-être en place à vous, même si vous passez à alors la vie, quand vous voulez un sens à l'équipe pour vous comprendre, et un jour, vous savez que ça te voulait dire tout ça. Mais en attendant, ben, si c'est ça, ben, bien merci. Hein. Lydia Bola, elle a chanté tout à l'heure, merci pour l'errance qui a fait la vie sens. Eh bien, nous qui voulons ça après, nous qui savons que la vie te veut dire merci. Du verbe, je vous l'ai dit. Ayman, manie le verbe avec adresse et précision, Monsieur Brard. Eh bien, bien bonsoir. A qu'à espérer, c'est qu'un bon tibitain pour vous permettre vous de progresser. Et en dépit de coïncidence, bon matin là, avec des trois timoun, nous t'avons parlé un peu d'organisation à ça au début crié musique traditionnelle, musique lari, et en tout cas essayer d'expliquer un certain nombre de Tibétains qui a rentré dans le cadre vie en moins et en même temps m'a te permettre de progresser et au soir là et bien quand même mettre un petit prix pour un monde en début dit qui n'est presque image en moins. Merci. Alors, une participation à l'enregistrement d'un album. Juste et en toute honnêteté, merci présidente d'avoir tout simplement pensé à tout cela et fait en sorte que tout artiste guadeloupéen, quel que soit niveau là, eh bien, peut progresser avec contribution à nous. Merci. Je veux dire merci aussi d'avoir moun songé mettre slam dans la musique urbaine. Souvent, il faut parler au slam, l'idée n'est pas de dire que c'est musique. Alors, les autres enfants disent que c'est slam, souvent, il faut mettre musique dans les doigts. Parce qu'il faut nous admettre qu'il y a peut-être 12 ou 15 morceaux, il y a une poésie.
des fois il bon ni ti bon musique des doigts et des façons même on poète là qui écrit winika ou na te ka dit ça au début ni en musique qui ka guidé en fond à kay ay alors mais si tu mettre musique et slama dans musique urbaine sans la rue sorti c'est dit tout ça nous ni a dit parole fond qui qu'on nous aimer parler ti malouka dit ça très souvent c'était disque premier album ay parole fond qui a sorti deuxième là aussi des moun et c'est des moun qui j'a travaillé en l'eau et pour laisser trace marquer livre des moun konti malo donc on pensait pour Dori pour Ghetto Intello pour silencieux pour tous les moun ka fè kenyan scène slam en Guadeloupe qui petit brin force mais qui ka revini en collectif qui monté et ka recommencé ben demain soir au petit jardin à Pointe-à-Pitre donc les sessions slam ka reprend donc zopé vin micro ouvert c'est ça qui énergie à slam là sans scène micro là ouvert et ça on y a dit ou ka di c'est l'arrêt la poésie mais moun ki ka fè rap moun ki ka fè poésie classique Jacques Avine d'avoir pour nous pesaf peut-être que nous pas d'accord faut nous j'écouter nous au moins ça faut qu'on pas d'accord avec ou des parfois ça faut qu'on d'accord avec parce que nous kenn suivre moun pour suivre moun ou nous kenn compte moun sans pour compte moun sans jamais savoir pourquoi et donc slam la ka permettre au moins kenyan espace temps moun ka écouter yo pour nous peut ça parler ensemble ensemble regarder nous yeux dans yeux quand parler des dis aussi de Livati Malo et Monsieur Bellini dit pas ni finance artiste parcourir derrière l'argent mais il besoin l'argent pour y créer donc les bitains honorables ça belle hein? Oui bien merci mais puis quand on est au fond artiste c'est bail les conditions pour y faire travailler convenablement et à quel point juste si bon temps pour dire ni ces musiciens là qui là ni les monde qui ca filmer synopsis prod ni tous ces mademoiselles là qui organiser ça rapidement et ces jours là ça qui bat corps ayo et tout ça ça ca fait qu'ils sont industrie tout ça ça ca fait qu'ils et celle bitain nous commander ben c'est que yo ban nous les moyens de faire ça nous envie faire ni des monde qui formé dans l'administratif qu'ils tirel ni des techniciens qui formé nous ni des monde de qualité en pays là ça qui veut monter des projets audiovisuels nous ni des musiciens qui ni talent ça belle ni monde en Guadeloupe qui pas voyager et ça belle que Juan Luis Guerra qui vient vrai yo ça belle que Lionel Richie qui vient vrai yo hein mais de temps en temps si on compte Terre de Blues Festival Guadeloupe nous ni au moins 10 grand stars qui viennent en Guadeloupe chaque année. En budget, on peut compter au minimum entre 500 000 euros et 1 million d'euros, le tout, les 10. Nous ne disons pas mener, hein, mais peut-être 2 ou 3 en moins qui permettent que nous voyager. Alors, on va voir que vous avez Porto Rico, ça belle. Ça belle. Pourquoi on dit ça d'avoir. L'année passée, nous montons fait avec Guadakwa, nos amis, moi qui la famille Rassanka, c'est ça qui marqué la rassemblée Sanek Caraïbes. Nous sortions un disque d'ailleurs, qui a sorti, enfin, ces jours-là, ça nous a été fait la finale. Grand Corps Malade vient en Guadeloupe, nous fait première partie, il invite nous l'année passée en 2011 pour nous être parti. Nous partis, nous pas partis, et finalement, nous finissons pas partis 2 jours avant parce qu'il n'y a pas ni budget. Et c'est à la dernière minute. Un peu disot, là yo ka crié pour dire bon ben finalement c'est Paris qui trouvait l'an l'argent hier pour yo te faire autre sorti Guadeloupe pour monter Paris faire slam parce que grand corps malade insisté, il dit qu'il ka font scène pour c'était il était parrain à les journées de la francophonie, il dit ka font scène et il veut que ni monde Guadeloupe parce que hier Guadeloupe l'année passée, il veut ces bougala. Nous t'es pour parti Guadeloupe Martinique à 6, nous parti à 2. Alors, c'est le bitin, sa belle histoire internationale, mais permettre à moun ka fè rap et montrer aux Américains qui j'en yon ka fè rap en Guadeloupe. Moun ka danse hip-hop et montrer moun aux États-Unis qui j'en yon ka danse hip-hop. Moun ka fè slam, mais ben, yon ka dit parole en nous sorti loin. Ben, parole en moun sorti loin, ben, t'es bien aimé à Dakar ou bien Conakry pour faire slam, pour montrer moun aussi que griot là et j'en belan melan ka la bateau là. Bien, merci. J'ai dit, les paroles bien placées, le verbe acéré, aiguisé à la perfection, Ayman. Et on aurait pu citer Laurence Makiaba. Hein? Laurence, ben oui. Je suis légué le concept Slam Black qui ont organisé les premières scènes slam en Guadeloupe il y a 6 ans. Oui. Et oui, oui, nous avons songé au fort. Absolument. Alors, vous pouvez bâtir comme ça? Non, même si vous avez Islam là, parce que là, vous avez Islam là. Oui, il y a un qui travaille souvent en impro. Vous avez Islam là. Un petit mot à Véo. Mesdames et messieurs, Ayman, s'il vous plaît, vos applaudissements.
en diapason à l'univers. Qu'est un homme qui nourrit et veut en boire et manger mystique. Nourriti béni prend chemin tout sens pour te pénétrer l'homme. Il souffle les oreilles, il crève les yeux, il inonde les gorges, il envoûte les nez. L'amour a irradié main pour aller naviguer en laissant tracer chemin sentiment et puis diamant à l'émotion. Chaque jour, maman Nati, matrone, ma beau métronome, kabay, balan la, force guidonnée, cadence la. Papa bon Dieu, voyez l'anjaï. Longan pour doukou, doukoun pour toute peine, carré de sol. Bouquin du bout, charpente à la joie, carburant à la paix, racine à l'amour. Kilti. Kilti, c'est initiation. Kilti, c'est éducation. Kilti, qu'a éclairé, transmettre, raconter. Kilti, qu'a construit, nourri, guéri. Kilti fait un artiste, c'est un professeur, c'est un docteur, c'est un bâtisseur, c'est un cuisinier, juste mon Seigneur, nécessité vitale pour un peuple. Musique a pas son, peinture a pas de décoration, danser a pas de démonstration, cuisiner a pas ventré, phraser a pas parler, maquer a pas lettré. Outils, c'est outils, c'est qu'est à main là qui a ken li qui tout. A pas moun qui a fait kilti, c'est kilti qui a fait moun. Alors, prévois, bay place à Ikitaï, avant de décider, mettez ou en tao. Suive, admette, obéis, si ou envie vive. Kilti, c'est guide. Kilti, c'est équilibre. Kilti, c'est l'équilibre. Kilti, c'est lui qui vit. Et vous qui là, ou là, yen qui pour servir. Merci. Mesdames et messieurs, Ayman, vos applaudissements s'il vous plaît. Plusieurs fois champion de la Guadeloupe de slam.